Donc, pour poil de carotte, tu vas m'excuser, ma chérie. Vraiment, tu vas m'excuser. Mais la team PDG refuse ton chantier 4. Non, non, non. Moi, je refuse. Va donner en face. Je refuse de prendre les travaux. Je ne peux pas. Tu sais que moi-même, je sélectionne ce que je prends. Je ne prends pas le nyama-nyama. Le nyama-nyama des travaux. Je prends les vrais. Que quand tu tapes comme ça, on comprend que non. Ça, c'est du bon. Donc, vraiment, je suis désolée. Je comprends que tu as tellement envie de t'exprimer à la PDG TV. Mais tu n'as pas cette opportunité parce que tu ne pourras rien nous dire de bon. Je suis désolée. Tu vas nous parler les mâts chiens. Les mâts chiens. Tu vas venir nous parler quoi? Les mâts chiens. Les mâts godes. Franchement, quoi, ça, c'est pas. Nous voulons les vrais sujets. Nous voulons les vrais. Quand tu viens donner un chantier, il faut avoir même l'argent même. On te donne peu Tu viens donner les travaux à quelqu'un de faire. Tu me confies le chantier. Tu n'as même pas d'abord les moyens pour ça. Donc, ça ne sert à rien. Tu vas venir là, tu vas parler le patois, le français patois. Qui va comprendre le français patois là? Personne ne peut comprendre le français patois. Je suis désolée. Ici, là, on parle avec les gens que même si c'est le faux français, on comprend au moins. Mais quand c'est derrière le français patois, sur le patois en français là, c'est trop dur de comprendre. Je suis désolée. Ta demande est rejetée. Je suis désolée. Tu donnes à quelqu'un d'autre. C'est comme ça, tu donnes à quelqu'un d'autre, je refuse de prendre tes travaux. Maintenant, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Ou les abeilles. Certaines abeilles, parce que je ne mélange pas tout le monde. Vous êtes des sorciers. Moi, Flore, vous savez, j'ai beaucoup changé. Parce que quand tu grandis, tu changes. Tu apprends, même dans les critiques des gens. Tu essaies de retenir ce qui est bon pour toi. J'ai appris une chose à me retenir. J'ai appris à me retenir avec le temps. Si vous regardez les années précédentes, aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. J'ai beaucoup changé. Avant, je réagissais avant de réfléchir. Aujourd'hui, je réfléchis avant d'agir. Voilà pourquoi, depuis 2 jours, pour moi, ça fait 2 jours, que la team traverse un moment de turbulence. Et c'est très dur quand c'est des personnes qui sont venues te soutenir à visage découvert. Je ne rejette pas ceux qui me soutiennent dans l'anonymat. Mais je vais dire, quel que soit l'intérêt que ces personnes-là ont, parce que comme on dit, tout le monde est gagnant là-dedans. Moi, ça m'a fait très mal. J'étais très mal de. C'était quand je venais à Lille, hein. Le vendredi soir, quand j'ai pris la route pour Lille, à 1 heure d'arrivée, mon téléphone sonne. On m'appelle pour m'annoncer que ça ne va pas dans la team PDGIS. J'ai failli faire un accident, hein. Je vous assure, j'ai failli faire un accident. J'ai appelé Tata Doudou sur le champ. Je conduisais, mais c'est pas prudent d'appeler sur le. Tu es sur l'autoroute, tu appelles, c'est pas prudent. J'ai appelé, on n'arrivait même pas à s'expliquer parce que tellement j'étais en rage. Je criais. Elle me disait, laisse-moi m'exprimer. Je n'arrivais pas à comprendre. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle-même, elle ne se rendait pas compte parce que son compte Facebook, elle ne pouvait plus entrer sur son Facebook. À la veille, elle ne pouvait plus entrer son compte. On lui demandait de refaire le code, comment on dit là, de changer le mot de passe. Je lui dis que, mais tu ne vois pas, prends même le téléphone de n'importe qui, tu regardes un peu. Moi-même, personnellement, je n'avais pas encore vu. Je n'avais pas encore vu. J'étais, puisque je ne peux pas être en train de conduire, je regarde Facebook, c'est pas possible. Vous comprenez? Et tout. Je suis en train de conduire. J'appelle Tata Doudou, je dis, mais c'est pas sérieux, ça ne va pas là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça a pu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, elle-même, elle ne comprend pas, puisque, entre-temps aussi, les gens qui la connaissent devraient l'appeler, mais elle ne peut pas avoir accès à Facebook parce que son mur, elle ne pouvait plus aller sur son compte pour voir la chose que quelqu'un est en train de faire. Il faut être sur ton mur. Je lui ai dit que, est-ce que tu peux. Elle n'habite pas avec sa petite soeur, ma jolie. Ils n'habitent pas ensemble. Je suis désolée, chacun a le chez-soi. Chacun a sa maison. Ok? Sarah Mbakata, ne m'énerve pas. Je dis que là où je suis là, je dis que, oui. Je ne veux même pas. Je dis que ne me chamboule pas le cerveau là où je suis là. On n'est pas à l'heure de ça. Aujourd'hui, c'est moi qui parle.
Les deux ont parlé. Tata Doudou s'est exprimé. La PDG canadienne s'est exprimée. Maintenant, c'est à moi le dernier mot. Pourquoi c'est à moi le dernier mot? Parce que je suis leader de cette team. Et je suis celle qui les a unis. Je suis leader. Donc aujourd'hui, c'est moi qui parle et j'aurai le dernier mot. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Je dis, c'est moi qui parle. Ils ont déjà parlé, maintenant c'est à mon tour de m'exprimer. J'ai commencé à vous dire un peu comment. J'avais appelé Tata Doudou pendant que j'étais sur la route. Elle me aussi, elle ne savait pas comment faire puisqu'elle n'arrivait pas à entrer son mur. L'enfant n'était pas là puisque l'enfant, j'ai dit que demande les jeunes, ils connaissent un peu manipuler les réseaux sociaux. C'est vrai. Les jeunes connaissent manipuler plus que nous. Parfois, quelque chose me dépasse. Je demande même à un enfant, même de 11 ans, là, il va te montrer. Il va te montrer que non, écoute, tata, tu fais comme ça. Parce que nous-mêmes, là, on connaît que Facebook. Les autres, on ne connaît pas trop comment on manipule ça. D'accord? Et puis, elle me dit, on a commencé à discuter. On a commencé à parler un peu et tout et tout. J'ai parlé avec Tata Doudou. Je lui dis, mais attends, on me dit un truc. Elle me dit qu'elle n'a pas vu. Une personne qui n'a pas vu quelque chose, tu ne peux pas parler avec elle. Puisqu'elle n'a pas vu, vous voulez que je discute quoi? On n'a pas pu parler parce que même j'étais sur les nerfs. Elle-même aussi, on se fâchait. Donc, parce que je n'arrivais pas à comprendre que comment ça peut arriver. Comment, pourquoi ça peut arriver. Pour moi, ces deux dames, ces deux grandes dames sont des personnes adultes. Le linge sale se lave en famille. Quand on est déjà dans un groupe, qu'on est déjà dans une team et qu'on a un problème avec quelqu'un qu'on connaît, on doit gérer ça back. On doit gérer ça en cachette derrière, même que on ne soit pas au courant. Mais tel n'a pas été le cas parce que elles sont venues sur les réseaux sociaux avec. Et voilà pourquoi aujourd'hui je vais venir m'exprimer sur les réseaux sociaux. Parce que quand quelque chose se passe sur les réseaux sociaux, on finit avec sur les réseaux sociaux. Chacun a ses responsabilités. Mais je ne vais pas trop m'accrocher dessus. Tout simplement parce qu'elles ont essayé de s'entendre. Elles ont parlé ensemble parce qu'il faut comprendre qu'il y a eu l'incompréhension. Ce qu'on appelle l'incompréhension. Je ne vais pas vous déboucher les oreilles. Il y a l'incompréhension, c'est quand quelqu'un ne comprend pas le sens de ce que tu dis. C'est ça, il y a eu l'incompréhension. Elles se sont expliquées et elles sont en paix. Ce que vous attendez alors, vous n'aurez pas ce que vous attendez. Le désordre que vous souhaitez, vous n'aurez pas ça. Parce que Dieu est plus fort. Vous avez donné un spectacle de 2 jours. Mais il est temps que ça s'arrête. Je suis venue dire stop. Si hier je ne me suis pas exprimée, c'est parce que je voulais laisser quand même le temps que ça passe pour m'exprimer. Je vais revenir sur quelque chose. Je vais m'embrouiller, je n'ai pas écrit, mais je vais parler comme si je parlais à... Comme si on était là, comme si voilà, on se voit et on cause. Elles ont fait la paix. Mais cette histoire ne devait pas être comme ça. Je pense que ma jolie, elle a fait une erreur. Et il faut avouer, il faut reconnaître. Elle a fait une erreur. La paix, c'est quelque chose de bien. Mais quand il y a un truc comme ça, la prochaine fois qu'elle... Parce que ma jolie égale Doudou. C'est une même personne. C'est une famille très soudée. Si ma jolie s'est exprimée, ça dépend de ce que sa sœur lui a dit. Ça dépend de comment elle a reçu ça. Ma jolie, elle a fait un post. Mais ce n'était pas quelque chose de... On peut aussi dire que c'était dans le cas de la rigole, le vol de ça, je ne sais pas. Mais ça a pris la tournure que ça a pris. Sincèrement, j'ai eu très mal. Diane Laure, tu seras bloquée. Hein? Les insultes encore, je dis bien encore un mot ici, tu seras banni. J'espère que je me fais comprendre. Et donc, il y a Ami, non? Je dis encore un commentaire négatif. Vous serez banni immédiatement. Vous allez partir ailleurs.
Vous comprenez, non? Donc, comme je dis, j'ai vu le lynchage de Nathalie et j'ai vu le retournement de la situation suite à Tadoudou. Je n'ai pas parlé sur assez tranquille. Parce que je me suis dit, elles ont cherché, non. Elles vont subir. Maintenant, je suis venue mettre fin à ça. Il est clair que beaucoup, il y a beaucoup de personnes là même. Vous allez commenter, vous allez faire ceci, alors que vous êtes des traîtres. Vous n'êtes pas bien du tout. Est-ce que dans une team, on se fait la guerre? Est-ce qu'une personne dans la team doit faire la guerre avec une autre personne dans la team? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous deviez, même si c'est qu'elles avaient des problèmes, c'est vous, les gens de la team, qui allez commencer à engueuler? C'est vous qui allez commencer à lyncher? Hein? C'est vous qui allez commencer à lyncher? Tata Doudou, depuis, disiez-vous la lyncher jusqu'à... Nathalie, la PDG canadienne. Vous savez, l'éducation de base, c'est quelque chose qui est très important. Même si on est derrière les réseaux sociaux, qu'on est des faux profils, que vous êtes les FP, les personnes anonymes, vous deviez respecter vos aînés. D'abord, ça passe par là. L'éducation de base. Voilà la choupinette qui est là. L'éducation que tu donnes à l'enfant, c'est cette éducation que l'enfant grandit avec. Quel que soit ce que la PDG canadienne vous a fait. Quel que soit ce que Tata Doudou vous a fait. Elle n'est pas votre égale d'âge. Tata Doudou n'est pas votre égale d'âge. Vous n'êtes pas fréquenté ensemble. Vous ne vous côtoyez pas. Ok? Voilà toi qui viens faire la tête de mort. Je ne sais pas quoi ou c'est quoi là. Tes noyaux. Tu as compris, non? Et lang noisou. T'es messibile lang. Imbécile. Je ne vais pas parler comme ça devant ma petite fille parce que les enfants de Bengla sont allés là-bas dire à sa mère qu'elle allait chez mamie et puis bref. Donc je disais que je pense que les faits que vous êtes dans la team, qu'on rigole bien ensemble, vous devez respecter vos leaders. Vous devez respecter vos leaders. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire même le live pour lyncher Nathalie. Et de sur quoi de faire le live pour lyncher Tata Doudou? Vous êtes là pourquoi? Toi qui envoies, je dis que les gens qui envoient les têtes de moi, je ne discute pas, je bloque. Comme ça, tu vas aller faire ça ailleurs. Je ne discute pas. Banni, voilà. Donc, je voulais vous dire que j'étais très choquée. J'étais très, très choquée de voir ce que vous aviez fait. J'avais envie de vous dire que vous êtes là pour une personne, d'abord. Vous êtes là pour une personne. La personne pour qui vous êtes là, c'est moi, Fleur de Lys. Vous êtes là pour work pour moi. Vous n'êtes pas là pour work pour... C'est-à-dire que la personne pour qui vous travaillez... Oui, allô? Ouais. Ouais, très bien, mais je vais te rappeler là parce que je suis en live en fait. S'il te plaît. D'accord, tout à l'heure. Pas de soucis, ma grande. Bien. À toutes, merci. Sinon, ça se passe. Hein? Ok, ça marche. Je te rappelle là tout à l'heure. Pardon, mon cœur. Comment ça se met? Tu veux mettre dans quoi? Je sais pas, chérie. Va demander à ton père. S'il te plaît. Merci. Demande à papa, non? Ok, chérie. Donc, comme je vous disais, Nathalie et Tata Doudou sont des grandes personnes, des personnes majeures. Et... moi, ça m'a fait très mal au cœur de voir que c'est vous dans la team, vous faites ça, vous divisez, vous permettez de séparer les gens.
vous séparez les gens, vous cognez les têtes et tout. C'est pas bien de faire ce que vous aviez fait. Maintenant, elles ont fait la paix. La PDG canadienne sera en France la semaine prochaine parce que je vais à un mariage avec elle. Il y a une personne, une abeille qui se marie, qui nous avait invités à deux. Et je serai là-bas avec elle. Et quand elle va arriver en France, on va faire une assise. On va discuter ensemble. Et puis bon, voilà. Ce que j'ai envie de dire à mes sœurs, c'est que quand quelqu'un te fait ce qui n'est quelque chose qui ne te plaît pas, tu dois lui dire que non. Ne nous sentons pas obligés de faire certaines choses. Personne ne donne la vie à personne. Si la PDG canadienne, elle me demande tout, si je n'ai pas envie, je lui dis non, je ne peux pas, point barre. Je ne vais pas commencer parce que c'est la PDG canadienne, parce que machin, tout ça, je vais accepter. Non, pourquoi? Je ne vais pas dire les choses pour lui faire plaisir. Pourquoi? Hein? Je ne vais pas lui dire des choses pour faire plaisir, non. Sur ce côté-là, c'est-à-dire que je suis claire là-dessus en disant une chose. Je vais d'abord vous dire quelque chose. Hein. Moi, personnellement, moi, je ne connaissais pas ce qu'on appelle Misunga. C'est sur Facebook. C'est dans la bouche de Tata Doudou que j'ai appris que ça s'appelle Misunga. Nous, on appelle ça serviette. La serviette. Moi, j'ai commencé à attacher ça depuis l'âge de 13 ans. Je sais attacher le Misunga. Ma tante, qui m'a élevée à Yaoundé, elle vend. Donc, même jusqu'à présent, habiller ma si tam tam week-end. Quand tu as tam tam, il y a un bar là, le bar qu'on appelle tam tam même. Il y a aussi un autre bar en carabote là. Que à l'époque, quand j'étais petit, c'était demi-carabote, demi-enduit en bas et carabote un peu en haut. Tu comprends? Et maintenant, elle vend en face, toujours. Donc le Misunga là, je sais attacher ça. Je dis que quand j'étais petite même, ma tante, ma nourrice, elle avait, elle vendait d'abord à là-bas à Mélène, à Fokweba, là-bas de l'autre côté, à Mélène, où il y a les voitures qui vont en Bankomo. Il y avait le bar là-bas. Quand j'étais petite, il y avait le bar Fokweba. Quand vous dites même Fokweba, hein, ça me plaît beaucoup, maman. Le village est le plus en haut. Je dis bien que le serviette là, c'est pas ce qu'on vend à 500 francs là. On vendait ça à 500 francs à l'époque. Au bar, des fois on peut faire, c'est le piment. Tu piques toujours au bar les pères qui boivent beaucoup la bière là. On met beaucoup le piment. Vous comprenez, non? Je connais attacher ça depuis que je suis toute petite. Je sais attacher ça, mais je ne connaissais pas le nom. Je connaissais qu'on appelle ça les serviettes. Je ne connaissais pas, ça s'appelle... Que les tripes, non, oui, les tripes, bien sûr. Les tripes, serviettes, oui, bien sûr. Donc, je ne savais pas que ça s'appelle Misunga. C'est dans la bouche de Tata Doudou que j'ai appris que ça s'appelle les Misunga. D'accord? Moi, je voulais dire que la main que vous voyez là, chacun a sa main de cuisine. Chacun là, ayant l'esprit de discernement. Il faut qu'on ait l'esprit de discernement. On peut donner une recette, là, on me donne la recette du poulet DG. On met les mêmes ingrédients, on te donne la même chose. Tu cuisines sur le feu, le cuisines sur le feu, mais au final, le goût n'est pas pareil. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la main culinaire. Il y a des personnes qui cuisinent, ne mettent même pas un condiment. Mais c'est plus bon que quelqu'un qui met plein de choses dans la nourriture. Donc chacun a sa main de cuisine. Le Misunga que Tata Doudou fait, fini, ne sera jamais le Misunga que quelqu'un d'autre fait. Peut-être qu'il y a des gens qui font plus bien qu'elle aussi. Il y a des gens qui cuisinent ça même plus bien encore. Mais ça dépend maintenant de la saveur, du ressenti de tout un chacun. Tu peux acheter ça là-bas, tu trouves que non, ça ne te plaît pas comme ce que tu as acheté chez elle. Chacun a sa main de cuisine. Moi, j'ai dit une chose. Où il y a eu incompréhension, c'est au moment où Tata Doudou dit reste livrer les autres personnes. Ce que je dis, c'est ce que je lui ai dit à elle. Quand chaque commerçant a son secret de commerce, moi, mon concept, c'est les coffrets. Mais quelqu'un d'autre peut aussi venir faire les coffrets, mais ça ne sera jamais Fleur de Lille.
Ça ne sera jamais fleur de lys. Quelqu'un d'autre peut venir faire. Comme j'ai commencé à faire les coffres, je ne peux pas dire à quelqu'un que. Je ne peux pas dire que personne ne va plus jamais faire. Parce que chacun a sa clientèle. Chacun a sa clientèle. Et chacun a sa façon de vendre. Où j'ai dit à Tata Doudou, non. Tu as fait une erreur. L'erreur, c'est quoi? L'effet d'avoir dit. Je te laisse livrer, il faut livrer les autres. Vous pensez que quelqu'un qui va, quand tu fais ta nourriture, quand tu sais que c'est ton concept que tu as créé, c'est ça qui te fait parcourir le monde. Est-ce que tu vas donner ça entre les mains de quelqu'un comme ça? Non. Il y a ce qu'on appelle le secret. Tu ne vas pas donner ça comme ça. Elle aurait pu dire, pendant qu'elle était au Canada, par exemple, elle aurait pu dire aux gens qu'elle n'a pas pu livrer, je suis désolée, je n'ai pas pu vous livrer. La prochaine fois que je reviens ici, je vous livre. Mais elle a laissé à Nathalie, oui, il faut rester livrer les autres. Vous pensez que quelqu'un qui achète, qui sait que Nathalie, elle a laissé que Nathalie, ça veut dire qu'elle a montré le secret culinaire à la PDG canadienne. Ça veut tout simplement dire que j'ai laissé tous les ingrédients, je lui ai montré comment elle fait. Maintenant, elle peut vous livrer. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et quelqu'un qui achète, par exemple, ce que la PDG canadienne fait, qui mange, il voit que, c'est bon, hein? Comment il va alors payer encore le billet d'avion de quelqu'un en France pour venir? Parce que c'est elle-même qui a voulu, c'est elle-même qui a mis la zizanie dans son business. Je suis désolée, elle n'avait pas dit à la PDG canadienne que fait. Pourquoi avoir... Non! Non, pourquoi tu te sens obligé? Non, tu ne veux pas, tu dis tu ne veux pas, c'est tout. Non, sincèrement, ça nous a mis vraiment mal à l'aise. Vous comprenez? Et puis, on ne peut pas porter la viande pour traverser aller au Canada avec. Hein. Tout ça s'achète sur place. Tout ça s'achète sur place. On ne peut pas traverser, on ne peut pas prendre l'avion avec ça. Hein? Il fallait que, je sais pas, il fallait qu'ils se parlent bien. Pas les trucs. Est-ce que ça devait d'abord être que les... Moi, j'ai pas envie de dire que deux, les vieilles chouettes. Je n'ai pas envie de dire ça parce que ça serait une injure. Et je ne veux pas dire ça. Oui. Je suis là, je vais bien. Non, je suis pas fâchée. Tu es toujours aux États-Unis? Bonne arrivée. Il y a des qui me cherchent pourquoi d'abord? Pourquoi il me demande d'abord? Pourquoi? Il n'est plus mon ami. N'est-ce pas? Appelle tout à l'heure. Merci. Désolée. Donc, comme je disais, sincèrement, moi, ça m'a choqué. Et la PDG canadienne, ces deux femmes, ces deux bosseuses, ces deux personnes qui travaillent beaucoup. Moi, je dis la vérité, c'est entre eux deux. C'est eux deux qui savent ce qu'elles se sont dit. Elles sont restées ensemble 2 semaines. Elles ont partagé beaucoup de choses ensemble. Elles ont travaillé ça beaucoup ensemble. Tata Doudou aurait pu dire à Nathalie non. Et puis, Nathalie aussi, je ne sais pas, elle pouvait trouver autre chose, non? Elle fait déjà son concept poisson fumé. Elle fait son concept viande et piment. Elle fait d'autres concepts. Nathalie, c'est une femme polyvalente qui travaille. C'est une bosseuse. Donc, elle peut faire autre chose, elle peut... Moi, je dis à Nathalie d'arrêter ça, hein. Je lui ai dit, non, tu arrêtes. Tu arrêtes cette histoire devant le Misunga. Tu arrêtes. Elle m'a promis que oui, elle ne savait pas que ça allait causer problème, mais elle a compris, elle a arrêté. Elle arrête de le faire. Mes chers frères et sœurs, arrêtons de faire certaines choses, ce n'est pas bien. Et vous aurez pu vous parler en privé.
Vous n'avez pas donné la main aux petits enfants, aux petits nyama nyama, pour qu'on vous fouette avec. Hein? Les petits nyama nyama. Et moi, j'ai envie de dire une chose. Et vous, les FP, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Nathalie et Tata Dou, ces deux sœurs, elles peuvent même se... C'est vrai qu'on veut que ça se passe en cachette. Et on veut que ça se passe en privé. Elles peuvent même se donner des... Nathalie, c'est la grande sœur de Tata Doudou. Elles peuvent même se disputer. Elles peuvent même s'engueuler. Mais tant que ça reste en privé, c'est bien. Ok? Vous, les FP, vous êtes là. Vous dites qu'on avance ensemble. On avance, vous reculez. Mais je vous ai à l'œil. Je vous ai vu. J'ai vu les qui vous êtes. Comme je suis en train de parler, immédiatement, vous portez vos... pieds, vos clics et vos claques, vous partez de la team PDGIS. Elle ne veut plus vous voir. Allez créer votre, je ne sais pas, un groupe pour m'insulter. Mais j'en ai rien à foutre. Je ne peux pas accepter que vous venez ici là clasher vos grandes sœurs. Sous prétexte que vous prenez les trucs qui ne vous regardent même pas. Vous mettez dans vos cœurs. Mais allez vous occuper de vos familles aussi. Certains entrent là, oh tel tu ne t'occupes pas de tel, tel tu... Mais de quoi tu te mêles? Toi, tu vas payer la pension alimentaire? Tu peux payer la pension alimentaire? Occupe-toi d'abord de ta propre famille, ma chère. Qu'est-ce qu'il y a? Vous entrez dans les problèmes privés des familles, des gens, pourquoi? On vous a demandé, vous n'avez pas de problèmes dans vos familles? On dit, on reste dans le cadre de Facebook, ce qui se passe à Facebook, ok? Quelqu'un ne vous a rien fait, vous voulez entrer dans la vie privée, allez payer dans la pension alimentaire? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Hein? Moi, je dis, la team PDG n'est pas une secte. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Si vous n'êtes pas bien, je ne vous supplie pas. Ah non, 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 non. Parce que je ne suis pas content de vous porter vos clics et vos claques, vous dégager. Parce que je n'ai pas envie de prononcer vos noms parce que de peur de vous refabriquer. Parce que votre défabrication sera mon silence total vis-à-vis de vos noms. Je ne peux pas prononcer vos noms. Parce que prononcer vos noms devant... près de 3000 personnes seraient vous donner la Starmania. Je ne prononce pas vos noms. Vous portez vos clics et vos claques, vous dégagez, c'est tout. Vous connaissez d'ailleurs qui vous êtes. Vous venez manquer le respect à Tata Doudou à ce point. Vous venez manquer le respect. Toi, le gars là, qui est aux États-Unis là-bas, où tu es où? Oh? Toi, Euronews, arrête ce que tu es en train de faire là. Si vous avez vos problèmes de clan, de guéguer entre les faux profils, nous, ça ne nous engage à rien. Je ne sais pas ce que vous discutez. Vous ne pouvez pas faire comme Claude Akam, comme Yuri Gagami, comme Nana Dab. Hein? C'est la Starmania de quoi? On ne vous voit même pas. Vous voulez être star pour faire quoi avec dans le noir? On devient star dans le noir. Quand on devient star, c'est parce qu'on veut se faire voir. Parce qu'on veut profiter de quelque chose. Ce qui fait qu'on doit être sur la lumière, sur les projecteurs. Vous voulez faire vos Starmania avec le drap sur la tête, dans les faux profils, que ça va vous apporter quoi? Hein? Vous exagérez. Vous ne pouvez pas venir humilier les grandes personnes comme ça et vous dites que vous me supportez. Une personne qui me soutient ne peut jamais lyncher quelqu'un qui est autour de moi. Parce que quand tu soutiens Fleur de Lille, tu protèges ceux qui sont autour d'elle. Ça veut dire quand tu soutiens Fleur de Lille, que ça soit Nivakine, que ça soit Tata Doudou, que ça soit la reine galloise, que ça soit Mini Minor, que ça soit tous ces leaders, ils font quelque chose, vous devez couvrir. Ce n'est pas à vous de venir parler que oh, tel c'est le traître, tel c'est un traître, tel c'est un traître. Ce n'est pas à vous de dire ça, je suis désolé. Vous n'avez rien à faire. Vous voulez maintenant entrer dans la team avec la guerre. Hein? Donc j'ai compris que si vous aviez le niveau de Starmania que j'ai, parce qu'il ne faut pas être dans la vie, il faut avoir l'esprit de partage. Regardez comment moi je vis avec les gens. Regardez comment je suis, comment je vis. Simple comme bonjour. Je suis tellement simple. Je suis quelqu'un qui ne complique pas, qui voit mon prochain comme moi-même. Mais une chose est sûre, beaucoup de personnes qui m'entourent, qui sont sur la lumière, c'est parce qu'eux aussi profitent de quelque chose. Chacun tire quelque chose de bien dans ça. C'est parce que vous voulez faire le commerce, vous voulez... vous voulez faire du commerce, vous voulez gagner de l'argent. Hein? Vous voulez gagner de l'argent, vous voulez profiter.
avec le nom de Fleur de Lys. Je ne refuse pas. Faites ça dans le respect de tout un chacun. On devient quelqu'un derrière quelqu'un dans la vie. Dans la vie, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Et j'ai dit, et je redis encore aux leaders de la team, aux gens qu'on connaît qui sont là. Parce que quand vous dites vous me supportez devant la lumière, je ne refuse pas. J'ai le même respect que pour ceux qui me supportent dans le noir. Ceux qui me soutiennent dans le noir, j'ai aussi le même respect. Vous savez, c'est pas tout. Ceux qui soutenir quelqu'un aussi ne veut pas dire qu'on va faire le tapage matin, midi, soir. Je suis désolée. Il y a des gens qui te soutiennent de vrai, sans aucun intérêt, dans le silence. Ils ne commentent pas, mais ils travaillent derrière. Ils travaillent derrière dans le silence. Vous comprenez? Je dis et je redis encore, que ce soit Tata Doudou, que ce soit la PDG canadienne, que ce soit EVS Cosmétique, que ce soit la Reine Galloise, que ce soit Mini Minor, que ce soit Nivakin, j'ai toujours dit, faites attention aux faux profils. Quand tu es un vrai pro, quand tu es une personne, un vrai profil, tu ne discutes pas n'importe quoi avec un faux profil. Surtout, je vais m'adresser aux gens qui sont en contact avec les faux profils, c'est-à-dire que qui peuvent rencontrer les faux profils. Faites très attention à ce que vous pouvez dire, parce que ça peut vous porter préjudice. Sachez qu'un faux profil est quelqu'un qu'on ne connaît pas et on ne se confie pas à une personne qu'on ne connaît pas. Même si la personne dit « je meurs pour toi ». Je meurs pour toi. Si tu meurs à 11h, moi à 11h02. Ça, c'est les conneries. C'est juste pour dire son amour. Qui va mourir? Même si c'est ton père qui meurt à 10h, tu vas mourir à 10h02. Qui ne veut pas vivre? C'est une façon de dire seulement que je t'aime, je te supporte, je suis avec toi. C'est la définition que tu meurs à 10h, meurs à 10h02. C'est une façon de dire que... Mais vous avez vu quelqu'un en train de faire un enterrement, te dit que entre dans la tombe comme tu aimais trop ton père ou ton mari. Entre, vous mourrez ensemble. Elle va te dire que jamais, peu pas moi d'aille. Vous comprenez? Pourquoi il y a des gens qui font les rêves de nuit que peut-être leur père qui est décédé, leur mari vient est décédé et il vient dans les rêves les chercher. Et vous partez, on travaille sur vous pour que ça ne vienne plus. Si vous aimez trop ça, c'est qu'on ne doit pas donc travailler pour vous. Comme ça, votre personne qui est décédée vient vous chercher dans les rêves, vous partez ensemble. Parce que ça veut dire que personne ne veut go. Personne ne veut mourir à la place de l'autre. Chacun est responsable de ses actes. Chaque personne qui pose l'acte ici dehors est responsable de ce qu'il fait. Je veux que les FP vous arrêtent. Si vous n'êtes plus d'accord avec moi, vous partez ailleurs. Et les FP double visage. Vous êtes ici, vous êtes là-bas, vous êtes ici, vous êtes là-bas. Je ne joue pas à ça. Vous comprenez, vous n'êtes pas obligé d'être avec moi. Il y a plein qui étaient avec moi qui sont partis. Hein. La vie continue. La vie continue. Vous pensez que quoi? Si je fais deux jours, je ne parle pas avec Choupi. Il y a les jours qu'on fait un jour, on ne se parle pas. S'il m'énerve là, il ne veut pas trop discuter, il ne veut pas parler avec lui. Combien de fois une personne que je ne connais même pas, ni d'Adam, ni d'Ève, c'est même parce que la personne dit, oh, je te soutiens sur Facebook, merci pour votre soutien. Je n'en disconviens pas. Je suis très d'accord. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Mais si c'est le soutien qui va entraîner la team dans la tombe, partez avec. Partez avec votre soutien ailleurs. Vous avez commencé depuis le malaise, c'est que vous avez commencé depuis à vous engueuler entre vous les FP. Moi, je ne vais pas entrer dans ça. Quand vous faites vos histoires de Mbinda, en faux profil là-bas, que vous faites les Mbindaillements, les envois de... Le Kouetou, tout ça là. Je ne suis pas là. Quand ça se gâte maintenant que le Ndolo ne donne pas, vous voulez que la reine me vienne intervenir? J'interviens quoi? Vous pensez qu'une reine intervient sur tout? La reine d'Angleterre ne parle pas de tout. Hein? Si je parlais de ça, c'est parce que c'est important. La reine d'Angleterre ne parle pas de tout. On ne parle, quand tu es leader, tu ne parles pas du vrac, tu ne parles pas de tout. De tous les nyama-nyama choses dans la maison. Tu veux parler. Quand vous étiez petit, que vous êtes dans la famille, avec vous êtes dans la même maison avec vos frères, vos soeurs. Est-ce que c'est tous les problèmes qu'on appelle tout le monde, que tout le monde se soit assis, tout le monde, on va parler à tout le monde? Ce n'est pas tous les problèmes. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on dit, on va faire l'assise. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on amène au village, à la réunion familiale. Je suis désolée. Il y a des problèmes qui méritent d'être amenés en réunion familiale, au village. Ce n'est pas tous les problèmes, pas les pépettes. Vous allez vous asseoir, les Kongni Loé, qui sont toujours en train de draguer là-bas, avec les Rosine Léa, ils ont leur clan, les Esther Julie.
Ils ont leur clan là, les Magina Purity. Toujours les clans des histoires de fesses. Hein. De faux profits des fesses. Ils sont là, ils parlent leurs histoires de... Attends, quand ça va se gâter là-bas, quand tu entends que tel est sorti avec tel, ce n'est jamais dans la réalité. Hein. C'est toujours le sorti inbox. On sort avec quelqu'un dans les inbox. Vous connaissez la définition que tel sort avec quelqu'un, ce que ça veut dire, tel sort avec tel. Quand on dit qu'une personne est sortie avec une personne, ils ont des ambinda. Vous savez qu'il y a déjà eu l'ambinda dans ça. Vous comprenez? Ce n'est pas... Montre-moi ta photo. Tu envoies une fausse photo. L'autre aussi, montre-moi sa photo. Je suis amoureux. Je t'aime. Tu parles avec quelqu'un jusqu'à 1h du 3h, 4h du matin. Maman, les gens parlent. Il y a des gens qui ont les insomnies, ne dorment pas. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment trop. C'est le perdant. C'est juste que tu cherches quelqu'un qui va te perdre le temps au téléphone. Il te baisse, tu dors. Ce n'est pas parce que tu veux trop sortir avec. Ce n'est pas parce que tu cherches trop le gars. Vous, les faux profils. Vous restez au téléphone, vous parlez des heures. Parce que vous ennuyez. On est bien d'accord. Parce que vous n'avez pas sommeil. Il y a les gens qui dorment à partir du matin. Tellement ils work sur Facebook. Même quand le sommeil, ils forcent pour regarder. Quand il n'y a rien, ils cherchent même chez les Ivoiriens. Oh. Ils cherchent partout. Quand ce n'est pas sucré là-bas, tu reviens. Il y a quoi là-bas? Vous tournez partout là, maman. Après, demain, on dit que tel soit avec quel. Vous sortez dans vos rêves. Hein? Vous sortez ensemble dans les rêves. Hein? Tel est sorti avec tel. Tel sortait d'abord avec tel. Connie sortait. Oh, ça a dragué tel. Ça, et c'est comme ça que vous êtes congossa entre vous. Hein. C'est comme ça que vous êtes congossa. Vous êtes amis. Je vous avais dit que personne ne touche à Rosine Léa. Je vous ai dit que c'est ma fille. Quand elle est entrée, c'est vous avez dit qu'elle, c'était une bleue. Une personne qui ne connaît pas les histoires des Noirs. Une watt quoi. Une demi-watt. Presque blanc, blanche. C'est comme ça que vous cherchez l'amitié. Vous cherchez l'amitié avec elle. Vous partez là-bas, vous draguez. Vous draguez, vous parlez. Elle aussi, elle peut, tout ce que vous dites là, elle ne peut pas garder. Les watts sont comme ça. On ne se confie pas aux watts. Quand tu as fini de confier, le jour que tu as un point, elle va dire tout ce que tu lui avais dit. Hein. Non, elle va tout dire. Hein, et ça ne serait pas le mensonge. Tout ce qu'elle dit sera la vérité. Hein. Elle va tout dire que quand j'avais les points avec elle, n'est-ce pas, tu es venu me parler comme ça, comme ça. Parce que vous aimez le Congo ça. On ne fait pas le Congo ça avec les blancs. Le blanc ne fait pas le Congo ça. Vous comprenez? Donc arrêtez vos histoires là, de cogner les têtes. Il y a aussi une personne qui avait dit, Guillaume, arrête. Si tu es déjà fatigué, arrête. Arrête ce que tu fais là. Arrête de manquer le respect à tes consoeurs et tes confrères abeilles. Tu fais la guerre de quoi avec qui? Hein? Tu fais la guerre de quoi? Tu fais la guerre dans le... Tu fais la guerre de quoi? Ta guerre que tu es venu faire, c'est pour défendre Fleur de Lys. C'est pas pour faire... C'est pas une guerre contre les abeilles. Tu comprends? C'est pas une guerre contre les abeilles. Il faut que tu arrêtes cette guerre-là. Et vous devez aller faire la paix. Tous les FPLA qui sont en guerre, vous partez faire la paix. Vous acceptez la paix ou vous partez. Vous partez créer votre groupe. On a vu les gens qui ont créé les groupes, qui ont tourné comme la chaise du coiffeur, jusqu'à leur stamania est fini, sont oubliés aujourd'hui. Donc, vous faites la paix. Je vous donne 5 jours. Guillaume, Magina Laure Chevalier, Mireille Mvoutou. Vous l'avez signalé pourquoi? Elle vous a fait quoi? Le producteur de Niam Gono du Sud. Si elle ne produit pas Niam Gono du Sud, vous deviez avoir le plus grand artiste du Cameroun. Hein? Vous restez là. Guillaume, c'est mon enfant. Et quand Guillaume répond à quelqu'un, c'est parce que la personne l'a aussi piqué. Et j'ai aussi parlé à ma Fouflore là, que d'arrêter le vrac. Où tu enlèves mon nom dans ton nom que ma Fouflore. Tu enlèves, tu crées un autre nom. Vous tous que vous allez partir de la team, enlevez mon nom dans vos profils. Eh. Parce que je vous ai fabriqué avec mon nom. N'ai pas utilisé mon nom pour aller ailleurs vous pavaner. Pour aller vous pavaner ailleurs, vous abonner, vous retirer mon nom. Vous changez vos profils. Si vous ne changez pas, on vous signale, c'est tout. Vous ne partez pas vous faire voir avec un nom que j'ai fabriqué. Tout ce que j'ai fabriqué dans la team, quand vous partez, vous déposez le nom là ici. Vous recréez un autre nom. J'espère que c'est clair. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas être là que vous êtes là, vous êtes... Non, mais attendez. Mais arrêtez.
Arrêtez. Plus question, je vous dis maintenant, plus question de parler mal de... Je ne veux plus voir un pour vous supprimer. Je dis bien, je dis, comme je ferme mes yeux là comme ça, j'ouvre, que vous avez là supprimé tous vos posts. J'ai dit que la salive que je vais cracher ici partait avant que ça ne se sèche. Que vous avez déjà supprimé tous les posts que vous avez fait sur la PDG canadienne, que vous avez fait sur Tata Doudou. Vous êtes dans la team pour une personne, Fleur de Lys. Vous n'êtes pas obligé d'être ami. Vous n'êtes pas obligé d'être ami. Hein? Vous avez compris? Vous cherchez l'amitié de quoi? Hein? Je vous vois venir. Hein? La team reste et demeure soudée. Et je ne veux plus voir les directs à deux balles. Corinne Berthier, Magina Lo Chevalier, Gaston Machipon, Smith qui là-haut. Il y a encore. Je ne veux plus vous voir commenter dans les directs ici dehors. Guy Emma, parce que c'est vous qui avez créé le clan de gay. Et j'ai dit une chose. Vous n'êtes pas des personnes de confiance. Et je dis encore à la PDG canadienne, aujourd'hui, si elle me suit, m'en veut, ne traite plus trop avec les FP. Ce sont les gens, tu vas finir de parler avec eux. Il faut que tu modères un peu ça. Tu ne peux pas te rabaisser comme ça à parler avec les gens que tu ne connais pas. D'un certain nombre de choses. Parce que ces mêmes gens, ils viennent, quand tu finis avec eux, ils vont dire ailleurs. On se souvient quand tu avais un certain bi ici à la team PDG, ce que tu disais toujours ton bi. Et la personne avait balancé. Parce que la personne m'avait envoyé vos conversations même. Et ce sont les choses qui ne sont pas bien. Quand on veut régler les problèmes, réglons les problèmes avec les personnes avec qui on a des problèmes. Arrêtons de mélanger tout le monde là-dedans, sincèrement. Un FP, tu ne peux jamais faire confiance à un FP. Parce qu'un FP reste et demeure les FP. Il y a plein là qui mentent comme quoi eux et moi, on cause tout ensemble. Maman, vous et moi, on parle. Poupi, toi aussi tu es dedans. Poupi, toi tu es dedans. Votre clan que vous avez fait là, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Tata Doudou. Vous n'êtes pas obligé d'aimer la PDG canadien. Mais que chacun respecte son couloir. Vous comprenez? Arrêtez de parler avec les FP. Vous parlez quoi? Il y a les FP qui mentent que... Vous les FP que vous partez mentir, comment vous causez avec moi là? Je connais combien de FP ont mon numéro. Et je peux citer leur nom. Ici. Maintenant, le reste, peut-être, ils parlent avec moi, mais je ne sais pas que c'est eux, tel faux profil. Je dis, j'ai deux personnes, deux FP, qu'on dit que sur Facebook, FP, qui ont le numéro de quelqu'un. Que quand il y a un tour, on tape. Je ne considère pas Patricia Mathieu que quand FP, elle n'est pas un faux profil. Elle a un vrai profil. Et si ça compte, je veux même bloquer même les deux FP. Il y a deux FP qui ont mon numéro, qu'ils appellent directement. Deux. Et je peux donner leur nom. Laline Domé, Magina Purity. Les deux là. S'il y a quelqu'un d'autre, venez me dire que... S'il y a quelqu'un d'autre qui a mon numéro, je dis bien mon numéro privé. Je ne parle pas du numéro. Parce que même le numéro du téléphone que je mets souvent pour faire les lives. Quand le live finit, on m'appelle sur ça, il ne décroche pas. Ne mentez plus sur mon nom. Je ne suis pas votre égal. Donc arrêtez que certaines personnes, arrêtez de dire comment vous causez. Vous causez quoi avec moi? Ils vous connaissent où? Hein? Vous partez, vous venez là, je ne sais pas, peut-être. Parfois, un FP lance un truc comme ça. Ou bien voir un Congo ça comme ça, j'appelle, je dis, je lance l'appel de quelqu'un qui publie quelque chose. Je peux même appeler un FP aussi pour dire, mais qu'est-ce que tu as publié comme ça? Il y a les FP que j'ai appelé pour dire, mais attends, enlève ce que tu viens de mettre sur telle personne. Pourquoi tu fais ça? Et quand la personne, ah, oh, ma fou, c'est toi. Oh, je suis très contente.
Et puis on cause, ça va, machin, c'est comme ça. C'est pas que je reste, je commence à parler. Et puis, vous connaissez comment, moi, pour décrocher le téléphone, c'est dur. Ne mentez plus sur mon nom, hein. Vous comprenez? Je ne veux plus les cognages de tête. Si vous m'appelez pour parler avec moi, pour aller dire que oui, je parle beaucoup, je vais vous bloquer. Et je vous bloque même. Ce n'est pas que je vais bloquer, s'il vous plaît. On va rester dans le cadre de Facebook. Si vous voulez continuer à me soutenir, vous me soutenez. Si vous ne voulez pas, vous partez. Parce que quand vous êtes venu me soutenir, je ne vous ai pas appelé. Vous êtes venu volontairement parce que vous avez jugé que j'avais besoin de ce soutien. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas jouer au chantage avec moi. Je suis désolée. Moi, on ne me fait pas chanter. Hein. Je ne marche pas au chantage. Et le faux profit ne me dirige pas dans la team PDGIS. Bien que vous soyez puissant, parce que j'ai toujours été reconnaissant envers vous. Mais je vais pas me, vous n'allez pas me diriger que moi, on te descend, moi, on te descend. Non. Je dis et je dis. Hein? C'est pas sérieux. Alex, Mathieu, raconte quoi là? Hein? Je ne suis pas d'accord que les leaders, ils passent leur temps à causer avec les faux profils. Vous parlez quoi avec faux profils? Vous voyez ceux qui sont partis de la team PDGIS. Quand ils sont partis, ils étaient où ça? On les appelait quoi? Bi, le bi. Vous avez vu ces filles-là dire un jour que moi, Flo, j'ai dit telle chose. Alors que sont les, cette fille-là, elle m'appelait même en vidéo. Hein. On a cherché partout ici là que c'est qui, oh, c'est qui. Vous m'avez vu venir parler. Parce que FP, même s'il part de la team PDG, reste un peu. Moi, je ne dévoile pas les faux profils. Quand quelqu'un vient te soutenir en tant que faux profil, quand quelqu'un vient me soutenir en tant que faux profil, je garde son anonymat. Je ne suis pas là pour balancer ou bien pour faire des parties prises. Regardez ma position aujourd'hui. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de dire n'importe quoi. Parce qu'il y a Nathalie qui est en face, il y a Tata Doudou qui est en face. Non, je ne peux pas. C'est deux personnes que je connais. Vous voulez que je parle si on va dire qu'elle passe ça parce que Nathalie est Bamileke. Vous voulez que je passe ça? Oui, elle passe ça parce qu'elle est en France avec Tata Doudou. Tata Doudou, hein? En plus, Tata Doudou est Betty, machin, tout ça là, machin. Ils ont fait le tribalisme, tout ça. Vous voulez que j'entre dans ça? Je ne peux pas entrer dans ça, désolé. Comme on dirait, vous plaise aujourd'hui ou pas, c'est votre problème. J'ai dit ce que je pense, ce sont des grandes personnes. Elles vont arranger, elles ont arrangé le problème. Point bas, vous voulez qu'elles fassent quoi? Toi, tu viens m'ouvrir ta bouche pour dire que le direct n'est pas à l'attente de quoi? Tu parles au gros français, c'est que tu viens parler au gros français. Toi, Alex, c'est marqué que le direct n'est pas à la hauteur de ce que tu attendais. Tu attendais quoi, papa? Tu attendais quoi, mamie? Tu as tes comptes à régler avec qui? Hein? Tu as tes comptes à régler avec qui? Est-ce que vous connaissez même ce qu'on appelle la relation humaine? Quand tu vis avec les gens, quand tu côtoies les gens, quand tu es une personne, un personnage public, que tu côtoies ces personnes tous les jours. Je ne peux pas avoir de parti pris, je suis désolée. Hein? Je dis, je ne peux pas avoir de parti pour ces deux grandes personnes. Elles ont le tort, tous les deux, elles ont tort. Elles ont arrangé, point bas. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Hmm? Vous me voulez quoi en fait? Oh, les irènes n'est pas à l'attente de ce que tu passes. Va faire ta part, tu dis ce que tu voulais. Don't ya me no. Go do your own. Between talk thing will be one talk. Que j'ai déjà dit que les faux FP, vous arrêtez parce que c'est vous qui avez causé toutes ces guerres. C'est vous. Vous ne voulez pas mon bien. Vous ne voulez pas mon bien parce que si vous aimez mon bien, vous ne pouvez pas mettre Nathalie et Tata Doudou dans une position comme ça. Non. Je ne peux pas satisfaire tout le monde. Tu attendais qu'elle fasse quoi? Hein? Tu veux qu'elle fasse quoi? Que je prends le fouet? J'ai un enfant ici là. Même Choupi qui est là, même la Choupinette. Vous croyez qu'elle peut taper la Choupinette? Je peux dire que je prends, que je tape Choupinette. Je ne peux pas Choupiner à sa mère. Vous pensez qu'elle peut lever la main sur Choupinette? Si elle lève la main, vous croyez qu'on est en Afrique ici là? Bien que ce soit ma petite fille, elle ne peut pas, attends, elle peut même pas lui dire n'importe quoi. Elle va aller dire à sa mère va aller voir les assistants sociaux que ma fille n'approche plus parce que voilà, sa grand-mère a peut-être donné une claque. Vous pensez, vous voulez quoi? Vous me voulez quoi? Je me suis adressée à ceux qui font le trouble de porter leur claque et leur clic et qui partent de la team, c'est tout. Vous voulez qu'elle commence à citer leur nom? Pourquoi?
Pourquoi je vais donner cette opportunité? Pourquoi je vais donner, pourquoi je vais les refabriquer encore? Oui, c'est quoi que tu as main? Je t'ai apporté les chiffres du plantain du pays. Dans la voiture. Mafo, bravo pour ton intelligence. Merci à toi. N'importe quoi. Qui t'a dit de ne pas aimer Guéma? Hein? Tu dis que Guéma, tu l'aimes Nampian parce que tu as la choisi. Je sais que vous avez vos clans. Moi aussi, j'aime Guéma Nampian. Je vous aime tous Nampian. Mais les gens qui sèment le trouble, partez. N'insultez plus vos grandes sœurs. Les gens qui vous dépassent. Est-ce que cette guerre que vous faites sur la toile, vous voulez maintenant entrer dedans? Vous savez qu'un jour, vous allez commencer à me clasher en fait. Et ça ne va même pas me surprendre parce que je vous vois, vous êtes impoli. Vous savez quand on aime quelqu'un, quand on aime sa star, même si sa star fuck up, on ne peut pas venir commencer à parler n'importe quoi à sa star. Non, 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 pourquoi? Parce que bien, même si on n'est pas d'accord avec sa star, on soutient toujours. Et ne pensez pas que si vous quittez la team, vous partez vous pabaner ailleurs. Moi, je ne regarde pas. Hein. Je ne regarde même jamais les choses des autres. Hein. Ça ne m'intéresse même pas. Je vous dis que je ne tape même pas pour regarder. Donc, ne pensez pas que si vous n'êtes plus à la team, vous partez vous pabaner. Vous allez tout faire que vous regardez. Non. Moi, je vous regarde pas trop de choses à faire. Travail, j'ai un bureau, je suis une PDG. Vous avez compris? Kazi Smith, arrête ce que tu es en train de dire. Ne prononce plus le nom de Guéma. Toi-même, le Congo, ça, ça t'appelle bonjour. Est-ce que c'est à toi? Que quoi? Quelqu'un dit que Magina Purity. Magina Purity a fait quoi? Magina Purity, c'est celle qui fait plus de pubs de flore cosmétique. Oui, merci à elle. Et puis, tu sais bien que cette Flora White, c'est toi la copine de Berthier en même temps. Tu es Sarah Mbrakata. Vos copinages là, maman, vous n'êtes pas obligé d'être amis. Poupi, quand tu es arrivée ici, tu étais calme. Mais tu es tombée derrière les gens qui t'ont contaminé. Je vous ai donné juste un avertissement. En disant qu'elle ne veut pas vous fabriquer. Quelqu'un dit que quoi? Il y a Flore Delis, tu faisais alors quoi? Dans les postes de Carlos. Carlos. Toi là, hein? Va là-bas chez ta marraine, elle te fabrique, non? Toi et l'autre là. Nya Steven, vous deux. Toi, c'est Carlos Gidas. Mais tu es là-bas chez ta mère, non? Tu avais écrit, tu m'avais félicité sur une, dit merci, c'est normal. Même si c'est ta mère là-bas, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu m'as dit, tu m'as félicité, dit merci. Et je ne vois même pas pourquoi elle te voit encore. Puis c'était bloqué pour rien. Hein. C'est bizarre, je te suis en train de te voir là. J'étais bloqué, genre, pour rien. Tu comprends, non? I don't bloqué you, Carlos Gidas. Tu es le bras droit de la chose d'en face. La honte de ça. Ish. Maman, je ne vais même pas parler de ça parce que il faut aller conseiller ta star qu'on est tous des camés. Qu'une star, c'est celle qui se comporte. Maman, la poubelle de ça. Le voirie de ça. Le voirie de ça. Non, c'est la vérité. Hein? Faut dire. Oui. Mm-hmm. Quand? Oui, c'est en direct. Oui. Oui, tu me vois en direct et tu m'appelles comment? Tu veux me dire quoi? Tu voulais qu'elle parle ou quoi? Donc tu m'appelles là seulement pour qu'ils disent que Tata Doudou a mal fait. Mais bien sûr que je vous voulais que je parle comment. Bien sûr elle a mal fait. Vous voulez qu'elle parle comment? Non mais elle sait que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Non? Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Oui, mais vous, elle sait bien que ce qu'elle a fait n'est pas bien.
Vous voulez que je parle en quelle langue? Tu n'as pas vu la partie là, tu ne peux pas attendre le direct fini. Tu m'appelles, tu me dis que oh, tu n'as pas bien parlé. Oh, il fallait dire que ce que tata doit faire n'est pas bien. Je ne suis pas en train de te gronder. Tu n'as pas vu la partie là-bas, Rince, va laver tes yeux, tu viens regarder. C'est pas à toi, c'est à elle. Après, je vais se déconcher en tout cas, ok? Une langue noisoute. Bisous. Quelqu'un envoie les têtes de mort là. Toi, tu ne veux pas te louper. Je te bloque. C'est simple comme bonjour. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire, non? Vous me voulez quoi? Chacun veut venir dire sa part. Vous voulez intervenir? Je ne peux pas laisser que vous interveniez. Parce que si vous intervenez, vous allez trop déborder. Vous n'allez pas. Vous allez déborder les limites. Moi, je vous ai dit que. Il y a l'incompréhension. Il y a une incompréhension entre Tata Doudou et la PDG canadienne. Tata Doudou n'avait pas à dire que fait. Et puis même quand Tata Doudou a dit que fait, mais ce n'est pas Tata Doudou qui a dit au faux profit de venir commencer à lyncher. C'est vous qui avez commencé ça depuis. C'était par rapport au poste de Majoli que vous avez commencé ça. Oui, mais vous connaissez très bien que j'ai parlé à Corinne Berthier. J'ai dit ça. Moi, j'étais très remontée contre elle. Je ne sais pas, hein, vraiment, les gens sont terribles. Quelqu'un dit que toi, Foucault, tu jongles quoi? Je jongle tes noyaux, tu comprends? Hein? Si vous êtes fatigué, vous partez. Chacun veut seulement que je dise que vous. Pourquoi vous voulez me mettre dans les problèmes en fait? Je ne sais pas. Vous me voulez quoi? Hein? Mais j'ai dit à Corinne Berthier qu'avec ta longue bouche là, je ne te mens pas que si tu fais. Je te dis, hein, je suis sérieuse avec toi parce que là, tu m'as vraiment remonté. Mais je ne sais pas pourquoi toujours toi? Pourquoi c'est toujours toi qui va venir entrer dedans? Pourquoi pas quelqu'un de. Pourquoi toujours toi? Toi, tu crois que tu parles plus que qui, en fait? Tu crois que tu... Toi, Flora White, tu crois que tu parles plus que qui? Hein? Nathalie, c'est ton égal. Hein? C'est pas ton égal. Mais sérieux, arrêtons un peu. Attendez. Non, moi, j'ai coulé les larmes hier. Quand j'ai vu le direct de Nathalie, moi, ça m'a fait pleurer. Hein? Je vous assure que ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait un pincement, un Jacques qui n'a pas de nom. Hein? Franchement, c'est pas normal ça. Vous pensez que quelqu'un peut être à l'aise? Vous voulez que quoi? Je ne vais pas encore revenir appuyer le couteau sur la plaie. Vous savez, quand on est avec quelqu'un et que quelque chose a été cassé, c'est cassé. Vous comprenez? Elles ont fait la paix, mais je ne pense pas qu'elles seront encore comme ensemble. Parce qu'il y a eu quelque chose. Vous savez, chacun a son ressenti. Chacun va se méfier de l'autre. Est-ce que vous vous rendez compte? Mmh. Ma voix, appelle-moi s'il te plaît. Connie Loé, d'accord, je t'appelle. J'ai lancé l'appel et ce que tu as dit. Oui, allô, Connie. Bonjour, ma foi. Bonjour. C'est comment? Ça va. Vraiment, ma foi, j'ai pitié de toi, franchement, parce que parfois, on te met dans des positions très difficiles. C'est très compliqué, maman. Oui. Mais on te met souvent dans les situations trop compliquées. Comme une situation comme ça. Hein? Je me suis seulement dit aujourd'hui que qu'est-ce que maman va venir parler aujourd'hui parce que moi, à ta place, hein, c'est très difficile, ma faute. En tout cas, toi, tu veux dire quoi? Parce que je m'énerve pas là. Là, je ne suis pas là pour y. Toi, tu appelles pour quoi? Dis ce que tu veux dire. Okay. Si tu n'as rien à dire. Je voulais déjà t'encourager pour ça, non? Et aussi, je voulais aussi te dire comment il faut. Marjane Apuruti n'a rien fait de mal. Marjane Apuruti n'a rien fait de mal, ma foi. Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus, mais que certaines personnes arrêtent un peu de l'insulter pour rien, en fait. Ma foi, parce qu'il y a beaucoup de malentendus, mais que beaucoup de personnes. Parce que, ma foi, bah, pardon seulement, dis aux gens de ne plus insulter Marjane Apuruti. Oui. Mais ils sont là. Je vais demander à tu n'insultes plus Marjane Apuruti. Je vous ai dit de ne plus vous insulter entre les FP, non?
Ne souhaitez plus manger la nourriture, s'il vous plaît, la team. Toi, tu me dis quoi concernant le problème des deux personnes? Toi, tu me dis quoi? Nounou, Chou, pardon, viens m'aller. Je suis à 100% d'accord avec toi. Tu as tout dit, tu as bien parlé. Il n'y a rien à redire dedans. Exactement ce que tu dis, moi aussi, je pensais la même chose. Et j'ai dit comment faut moi, je reste neutre. Et dans tous les problèmes de la team, je reste toujours neutre. J'ai fait l'effort de rester neutre, neutre là-dedans, ma faute. Mais franchement, il y a des gens, par contre, il y a mes amis, il y a mes frères, mes confrères, mes consoeurs, qui ont vraiment insulté durement. Il a dit bien que durement, durement. La télévision canadienne, ce n'est pas bien. Donne-moi leur nom. Non, ma foi, je ne sais pas. Mais non, non, ma foi, je ne suis pas là pour citer les noms. Mais ma foi, tu as vu, tu es là, toi, tu as vu les personnes qui ont prononcé, qui ont insulté les noms trop, trop durs. Et moi, je sais que... Moi, je ne regarde pas tous les posts, tu vois. Moi, je n'ai pas regardé. Je ne regarde pas tous les posts, là. Je n'ai pas regardé. Oui, ma foi, non, mais... Oui, ma foi, moi, je dis, hein, quand on n'est pas d'accord, n'est-ce pas, ma foi, on peut dire qu'on n'est pas d'accord et faire juste un post pour dire que non, je suis peut-être contre Nathalie Babel ou alors je suis contre, je suis pour... La tata Dodo, sans toutefois insulter. Il n'y a pas de question de prendre pour ces deux grandes personnes. Vous pouvez aussi voir et fermer vos bouches. Oui, vous n'êtes pas obligé de dire. Mais moi, tu ne peux pas empêcher les gens de la toile de parler certaines choses. Mais bien sûr, si ces gens-là sont avec moi, ils peuvent aussi se calmer. Je suis désolée. Ils ne se calment pas parce que je vais les taper, mais c'est par respect. Je suis désolée. Non, ma femme peut parler, mais sans toutefois insulter. Moi, c'est tout mon problème, en fait. Oui, tu as dit, non. Tu as, ok, tu as parlé. Vous pouvez parler sans insulter, mais le problème, c'est que vous insultez toujours et ce qui n'est pas bien. Oui, mais dis à l'homme, étant dit à l'homme, moi, je demande à l'homme, mes consoeurs, mes confrères, de ne plus insulter ni Tata Doudou, ni Nathalie Babalé. Merci, au revoir. Aujourd'hui, elle veut parler. Au revoir, ma femme. Je ne discute pas avec vous. Il y a quelqu'un qui veut qu'on l'appelle. Appelle-moi. Je ne peux pas, tu n'as pas la caméra. Moi, j'appelle que pas ici, en direct. Appelle Richard bien, c'est ma faux flore, je crois. Oui, je t'appelle. Allô. Bonjour, Mafou. Parle fort, hein. Si tu veux parler dans ta gorge, moi je suis en train de parler. Mafou, ne grondez pas tout le monde, c'est comment? Je suis en train de parler fort, non. Parle fort maintenant. Quand c'est pour aller crier là-bas, quand vous avez le faux profil, tu parles bien pour nous. Mafou, parle comme tu parles souvent. Mafou, moi je dis que toute cette histoire-ci, c'est Corinne Berthier. C'est elle, c'est Flora Watt qui a fait ça. Moi, je suis désolé. Quand moi, j'attendais que tu viennes lui parler. Moi, j'attendais que tu viennes lui dire ça. Mais tu veux qu'elle lui parle comment? C'est quoi? Vous n'avez pas me laisser tranquille un peu? Je ne lui ai pas parlé. Non, parce que tu viens... Je lui ai parlé, non? Ma faut tu viens appeler Kéma ici, que Kéma, c'est quoi? Pourquoi tu veux toujours qu'elle fasse la publicité d'une personne? Vous voulez qu'elle fasse la publicité, pourquoi? Hein? Kéma n'a rien fait. Kéma n'a rien fait. Kéma est très respectueux. Guillaume est très respectueux. Et je suis avec toi, Guillaume. J'ai dit ça devant 2500 personnes. Je suis avec lui. Non, parce que... Avec Guillaume, ne supporte pas Guillaume insulter les gens. Je dis que Guillaume ne doit plus insulter les gens de la team. On est bien d'accord. Mais Mafou, pourquoi tu ne vois pas ceux qui insultent là? Si tu veux faire la paix, prends des deux côtés. Oui, mais je ne connais pas. Je dis que c'est qui a insulté Guillaume? Moi, je demande. Tu crois que moi, je regarde tous les directs là? Toi, tu me parles de quoi, là? Non, moi, j'ai dit que Guillaume n'a rien fait. Et... Moi, Guillaume a les problèmes avec qui? Voilà. J'aime les gens des situations, c'est parce que je vais te donner le Congo, ça. Non, je dis que si tu ne peux pas parler, j'apprends Guillaume, il est là, je le prends lui-même. Et puis, il y a Magina Loge Chevalier, c'est ça, non? Que j'ai eu à parler avec elle. Moi, j'ai dit ceci. Les gens jalouses dans cette team-là,
Je ne sais pas pourquoi les gens jalousent Marjina Purity. Pourtant, c'est l'une des seules personnes, même, je suis désolé, c'est l'une des seules personnes qui passe son temps à faire la pub, qui passe son temps à écrire les longs, longs discours. On lit, on est content dans nos cœurs. Moi, je comprends pourquoi on vient l'insulter aujourd'hui. Tu sais qu'il y a les personnes que... Je vais t'expliquer un truc. Hein. Dans un groupe, il y a toujours une personne qui est la bête noire des autres. Tu as compris? Et quand c'est comme ça, je ne vais pas insister dessus en disant non, il faut faire ceci, imagine la plus utile. C'est comme si ça serait comme si la vendait encore au marché. C'est pour ça qu'elle fait comme si je n'ai pas vu. Tu as compris ce que je te dis? Oui, je comprends. Je dis, même dans une famille, quand il y a souvent quelqu'un qui est la bête noire, qui est facile à avoir les problèmes avec les autres, quand c'est comme ça, tu ne viens pas tout le temps mettre la personne sur la place du marché. Non. Parfois, tu fais comme tu n'as pas vu pour que les autres oublient. Moi, ce que je peux dire, c'est que je dis aux FP cognés de tête d'arrêter ce qu'ils font, c'est tout. Je dis ça. Mais et c'est clair, les FP, là, plusieurs fois, non? Et les FP, ils reconnaissent le nom. Madame Babale a parlé d'eux dans son direct. Ils se reconnaissent ici. Donc, écoute, ils arrêtent, écoute, c'est tout. Écoute, tu sais quoi? Tu as parlé ce que tu avais dit, non? Merci. Oui, au revoir. Oui, au revoir. Je prends Guillaume. Quand vous avez d'abord clan de faux profils là que tel n'a rien fait, Guillaume est là. Je vais le prendre. Je vais lui dire. Il va me promettre qu'il fait la paix avec. Je veux que Guillaume fasse la paix. Parce que Guillaume n'a jamais été ce genre de personne. Guillaume a toujours été respectueux. Guillaume a toujours respecté tout le monde. Si Guillaume s'est retourné, c'est parce qu'on lui avait fait quelque chose. Allô? Cache-toi, Guillaume, pardon. Oui, parle fort, tu es à l'aéroport. Je voulais dire que... Tu me suis? Oui, on te suit. Je voulais dire que le problème a commencé depuis, en fait. Moi, je ne savais le pas. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Quand je fais mes directs et j'insulte... Je dis peut-être que vous êtes mes Tinda, ce n'est pas parce que... Ils sont mes Tinder, c'est parce que c'est une façon de parler. Tu sais, dans mes tirets, je fais toujours genre, oui. Je fais les gens rire. Mm-hmm. Et donc, ça n'a pas plu à certaines personnes. Quand Marjina Laure Chevalier et Mireille Boutou ont décidé de quitter la team parce que tu as fait un direct, tu as dit qu'ils ont monté ton frère Guy, Dieu éternel, à clasher ma foufou. Donc, tu as dit qu'ils ont entraîné Dieu éternel. Et elle a fait un direct dans la nuit là où elle a commencé à crier. Que oui, on ne veut pas d'aide dans la tienne, machin. C'est comme ça ah que bon? Les problèmes ont commencé. Elles sont désactivées les deux. Ah bon? En fait. Elles sont désactivées les deux. Après ça. Ça s'est passé comme ça. Après ça, alors. Attends un peu. Donc, tu parles comme ça que dans les deux, elle n'était pas contente du direct. Quand un jour, Dieu éternel clashait, j'ai dit que non, il ne doit pas faire. J'étais fâchée au jour là. Donc, elle m'en veut pour ça parce que j'ai dit qu'elle ne devait pas motiver. Oui. Vraiment. Après ça, alors maintenant, j'ai dit que, mais, tu veux partir de la team? Tu veux pas quand même partir de la team? Quand Marc a un peu de lancer sa marque de cosmétique. Maman, tu vois, là. Donc, elle m'en veut pour ça. Parce que j'avais dit qu'il ne faut pas que. Vraiment. Ma collègue explique aussi à part les raisons. Parce qu'on est venu te dire que c'est moi qui coule les têtes comme ça. Je te donne alors ma version. Et moi, je ne suis pas un menteur. Même vous le savez. Donc, ça s'est passé comme ça, non? Tu me suis? Oui, je te suis. Donc, ça s'est passé comme ça. Et ils ont décidé de se désactiver. Je suis allé dans un direct. Je ne sais pas si c'était connu, Noé. Ou peut-être son frère Péry, Noé. Il était en train de parler comme ça. Tu vois, il manque, il faut qu'il revienne. Il dit que 10 ans. Les gens vont pas partir de la team. Ils sont en train de chanter qu'il nous manque. Quand vous voulez partir, partez. Moi, je sais qu'en quittant de la team PDG, je vais sortir par la grande porte. Il a parlé comme ça là. J-Queen, celle-là, c'est elle la connue de que je dis ça et j'assume. Elle prend mes écrits, elle parle de ça à Nimbos. Et elle avait même dit dans le direct que tout ce que tu vas dire, c'est bien, je vais faire, mais je vais partir de ça dans le Nimbos. Et je n'avais rien parlé de mal. Parce que moi, je ne fais pas le Congo, ça, c'est les FP. C'est eux qui ont commencé ça. Quand j'ai alors vu qu'ils avaient un clan, que. Quand ils viennent dans les directs, déjà, c'est pour faire les captures et partir dire qu'on a parlé des autres. Et dans le direct, là, j'ai répété que je dis, il y a maintenant une certaine Aline Dombin, donneuse de l'histoire, elle dit que si un king, quand j'insiste tout le monde, je peux parler de tout le monde. Elle dit que ma chérie, arrête tes histoires là, tu n'es qu'une lèche-cul.
Parce que moi, ma femme n'est pas parlé depuis le jour, elle m'a gardé rancune. Tu parles comme ça. Elle voit comment tout le monde a fait le merci. Elle dit que maman, donc tu croyais que tu pouvais me. Vous ne pouvez pas. Elle dit bien, vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas marcher à vos pas. Moi, je suis quelqu'un qui suis le leader. Je suis votre leader. Vous allez marcher à mes pas. Donc, ça s'est passé comme ça alors. Bien, moi. Attends, peux-tu être leader de qui, papa? Je suis leader de. Je suis... Quand ils parlent comme ça, que c'est leader, c'était pour leur dire que moi je marche par leur pas. Ils ont leur groupe de. Ils ont dit qu'ils ont un groupe de Mboma. Donc ils peuvent inciter tout le monde, même les leaders de la classe. Marc, moi, c'est que ça. J'ai posé à la famille papa, elle ne me cache pas. Elle m'a dit ceci. Depuis l'affaire de Blonde Alice, il y a cette FP qui l'ont gardé rancune à cause de ça, parce qu'elle, elle s'est plus bien, s'est confiée à Blonde Alice, je ne sais pas. Mais c'est est-ce qu'on commence à la détester, que comme quoi elle est venue à la chip pour gagner constamment avec Marco. Je dis que mais vous dialogue un jeu, que vous ne pouvez pas dire que vous êtes une chip et vous détestez les leaders de la chip. Parce que quand vous détestez. Ouais, dis Mathieu, c'est mal dans où comme ça. Tu parles bien, t'entends de loin. Mets-toi un bon endroit, non, père. Que les gens t'écoutent même bien. Ok, je vais mettre un bon endroit. Ah non, il fait pas te voir, cache-toi bien. Oui, voilà, oui. Ça a passé comme ça. Et après, j'ai dit... Ça s'est passé comme ça. Alors, ça s'est passé comme ça. La sorcière a pris... Elle a pris mes dieux, elle est partie, dit. Parce qu'ils ont commencé à dire que oui, Nathalie Baba, elle me paye. Je suis devenu son chinda, elle me paye. Ma chérie dit que oui, elle me paye. Ils ont dit que je suis un Nathalie. Mais si Nathalie Baba, elle parle de Nathalie. Je ne répondais pas parce que moi, je dis que ma cible, ce n'est pas celle-là. Il y a rien qui font ce qu'ils font là derrière. Tu comprends, hein? Ouais. Maintenant, alors, celle de Rosine Léa vient dans mon inbox, elle me dit, on a un problème ensemble. Tu fais les directs, tu donnes les éloges à Marginal Purity. Ma chérie dit que ma chérie, quand j'ai parlé de Marginal Purity, ça c'est trop long. Guéma. Ce n'était pas. Guéma. Ce n'était pas pour toi. Ton Congo, ça c'est trop long. Tu comprends, non? Donc, Congo, ça, c'est trop long. Il n'était même pas au courant que les filles étaient fâchées. Tu sais, quand moi, je ne vois pas, je ne cherche pas souvent. Tu sais, FFPP n'est plus être là, mais je ne me rends pas compte. Tu comprends un peu? Non, Marco, laisse-moi parler parce que normalement, tu devais dire à la. Moi, je n'insulte pas. Tu devais dire à la fille qui a insulté Baba d'arrêter ça. Parce que c'est elle, ne peut pas insulter un leader. Moi, je connais ce que Baba a fait pour toi. Tu veux qu'elle parle à la fille. Il se met des insultes de Baba chaque jour. Moi, je n'ai pas insulté Tata Goubou. J'ai vu hier une personne, une fille de la team m'a dit que j'ai insulté les enfants de Tata Doudou du bataille. Je n'ai jamais insulté ses enfants. J'ai dit que je supporte Mambe, mais je ne suis pas contre Tata Doudou. Parce que elle a agi contre sa volonté. Elle a eu le contrôle de sa sœur. C'est ce que j'ai dit dans les directs. C'est ce que j'ai dit dans mon direct. Tu étais là. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que quoi? Ils font les posters, ils disent qu'on a fait, nous on a créé un groupe de signalement, on a fait de signaler ces gens. Il est inadmissible, ils sont en direct, on les signale, ils disent que c'est nous, que j'ai un clan, on a créé un clan pour les signaler, est-ce que c'est normal? Ils ont dit qu'ils ont les clans, nous-mêmes on est dans notre coin, on ne gère personne. J'ai dit que vous êtes obligé d'être amis, mais vous deviez vous respecter, s'il te plaît. Non, on n'est pas, c'est ça, moi j'ai dit que moi je reste dans mon coin, je suis resté là dans mon coin, maman. Je reste devant vous. Guéma, respectez-vous. Je vois comment ils sont en train de m'insulter en parabole. Moi-même, je suis alors venu comprendre que Marina, leur chevalier, était déjà monté. J'ai aussi dit que, comme c'est comme ça, on va allonger le jeu là. Guéma, mon problème avec toi. Je suis venu, j'ai fait le direct chez les abeilles. J'ai dit, celle qui a la voix des casseroles là, arrête de bloquer parce que c'est elle qui avait bloqué Loulou Soleil. J'ai dit, carré, je n'avais prononcé le nom de personne. Elle s'en tient d'elle. Elle a fait un direct, elle a signé que oui, les anciens FP, les nouveaux FP, alors que ce n'était même pas le but du direct. Je n'ai jamais parlé de l'histoire. Parce que ma fille aussi, une situation qui se passe, parce que quoi? Oui. Ils disent que les anciens FP se prennent pour la tête, que la nouvelle génération, c'est eux qui ont combattu pour toi. Mais qui? Mais quand tu prononces le mot FP, ancien FP là, maman, est-ce qu'il y a certaines catégories de personnes qui peuvent mourir? Donne-le à l'enfant, chérie. Donne-lui. Achille, donne au bébé. Donne le jeu, porte-la. Loïc, nous? Tu comprends, hein? Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, moi, je n'ai pas suivi ton jeu, mais elle est arrivée là parce que le sort fait le sport, maman. Il devient gros.
À force de rester à la maison, maman, le mon bac est déjà sorti. Je ne sais même plus comment. Mais maman, pardon, tu te promets. Moi, je veux savoir. Je viens d'arriver, j'ai suivi Richard Biagi que tu m'as accusé. Donc, il faut rectifier tes dires. Je n'ai jamais fait le promotion à cette personne. Tu l'as mis. J'avais dit que je voulais appeler les leaders pour leur dire que parce que quand moi je parlais, quand je vais parler, peut-être ça va diviser la tête. C'est pour ça quand je suis un connu, je vais t'expliquer. Dis qu'excuse-moi. Et aujourd'hui, je redis, elles sont sept. Il y a Popina Marco. Ouais, Guillaume, c'est bon. Guillaume, c'est bon. Il y a Corinne Bébé. Guillaume, c'est bon. Guillaume, je t'ai dit non. Il y a Gaston Machifon qui fait que faire les lèches-culs. Il parle là où on me suite. Après, il vient à mes directs, il fait comme si rien n'était. Quand je vais parler, allons voir. Parce que c'est la guerre là, non. C'est la guerre que vous voulez. On va se déchirer. Guillaume, excuse-moi. Guillaume, tu ne peux pas me promettre là maintenant que vous allez faire la paix. C'est pas mieux. Je veux que tu fasses la paix avec les autres. Donc, on va faire la paix, Marco. Mais avant la paix, il faut pas se dire la vérité. Si eux peuvent venir donner leur version, qu'ils viennent donner leur version. D'accord, je vais prendre quelqu'un de leur clan, puisque vous êtes déjà les clans, c'est ça, hein? Quelqu'un de leur clan. Vous n'êtes pas les clans, ils ont les clans. Moi, je suis seul. Moi, je dis que même moi seul seulement, je les abats. Non, mais si vous dites pour la paix, on va faire la paix. Moi, attends, Mimi Carole, il y a une personne qui dit qu'elle veut parler. Prends-moi. Attendez, quelqu'un dit qu'il veut parler. Attendez. Guillaume, je prends une personne. Voilà. J'ai pris Brice. C'est la paix qu'on veut. Aman Kewemera. Ah. Oui. On ne t'entend pas. Oui, bonsoir, bonsoir. En fait, bonsoir. Moi, je suis un vrai profil. Donc, c'est juste que, bon, j'aime bien te suivre, comme tu le sais, mais je parle beaucoup plus avec toi en inbox parce que j'aime pas trop m'afficher. Voilà. Mais ce soir, j'ai voulu m'afficher, c'est juste pour te dire qu'il y a un de tes profils là, tu vois, qui fait beaucoup pour toi. Elle est dans l'ombre. Moi, je connais plein de personnes qui sont venues à Paris à ta soirée à cause d'elle. Moi, je me suis venu à ta soirée à Paris à cause d'elle. Elle s'appelle Magina Purity. Elle fait beaucoup pour toi, dans l'ombre, beaucoup. Je sais, je le sais. Faut pas la négliger. Je lis les commentaires là depuis, je vois les gens qui font que l'insulter et tout et tout. Il y a certains là qui sont là que pour la haine. Je suis en train de voir. Si les gens sont en train de voir, moi je ne vois pas en fait. Ce que Magina Purity fait pour toi, tu ne peux pas savoir. Dans l'ombre, hein. Bien sûr que je sais. Elle n'est pas. Je le sais. Elle et je vois. Même sur le plan financier, elle a contribué. Moi, je la connais pas. C'est juste que je vois, je lis comme tout le monde, mais sauf que je suis un peu en retrait parce que bah c'est pas évident. Elle fait beaucoup pour toi. Il y a un clan de certaines filles là. Moi, je les connais pas. Je lis juste les commentaires. Il y a une là qui va détruire ta team. Je parle à visage découvert, mais écoute, si elle veut, elle pas. Moi, je la connais pas. Elle me connaît pas. Il y a une là que si tu ne la bannis pas. Elle va détruire ta team. C'est qui? Je vais bannir tout de suite. Elle s'appelle Corinne Betty Flora White. Okay, tous les problèmes, elle est dedans. Elle va détruire. C'est elle qui crée les deux clans. Si tu ne fais pas attention, elle va détruire ta team. Le premier problème qu'il y a eu, elle était toujours parmi. Moi, je ne comprends pas comment tu peux. Oui, c'est vrai. Tu peux insulter une maman. Vrai. Tu sais quoi, moi je vais te dire sincèrement, tu comprends. Corinne Berthier, elle a toujours été une combattante et tout. Mais sans te mentir le tout, si cette fille m'a. C'est-à-dire qu'elle m'a blessée au plus profond de moi. Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi les autres la manipulent que c'est elle qui va faire le. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Tu ne peux pas imaginer le choc que j'ai eu? Mais pourquoi elle fait ça? Elle croit qu'elle parle plus que qui? Hein? Est-ce qu'elle était obligée d'aller faire un direct? Il fallait d'avoir attendre les deux parties, que les deux s'expriment. Et je suis sûre que s'il n'y avait pas de direct, là, c'est qu'il n'y a pas ce qu'il y a eu. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Oui, je comprends. En fait, moi, j'interviens non pas. Non, moi, j'interviens non pas pour quelqu'un. Pour... Non, je l'ai banni, là. Je l'ai banni et j'assume, hein, sincèrement. Peut-être qu'un jour, on va se rencontrer, mais là, c'est. Tous les problèmes qu'il y a. Je ne peux pas détruire les gens comme ça. Non, donne-moi même les noms. Donne-moi les noms. Moi, il faut quelqu'un qui me donne les noms de tous ces gens-là. Je vais bannir tout de suite. Non, moi, je pas les noms. Je te dis juste qu'il y a Corinne Bertier. Je veux prendre la personne qui me donne les noms. Ouais, prends une autre personne, c'est tout. Oui, attends, je vais prendre quelqu'un qui me donne les noms, mais c'est tous les noms-là.
Pâté créé votre pâté créé pour vous. Il y a quelqu'un qui peut me donner les noms. Mimi Carole, je t'appelle. Ça, c'est un vrai profil. Mimi Carole. Non, il faut qu'on me donne les noms. J'ai déjà. Une fois, on te pardonne. Tu es venu, elle s'est mêlée des problèmes ou que le bien avait fait. Elle a fait un poste. Vous connaissez le bien? Elle a fait un poste. Mais attends, de quoi tu te mêles? Tu les connais où? Non, mais sérieux, arrête, vous avez vos problèmes, hein? Je prends qui là?